Aujourd'hui, mardi 20 octobre 2015. Au lendemain d'une élection fédérale qui a porté au pouvoir le Parti libéral de Justin Trudeau, Vaudreuil-Soulanges se retrouve au pouvoir grâce à l'élection du député Peter Schiffke au sein d'un gouvernement majoritaire. Dans Salaberry-sur-Roy, bien que la course fût serrée jusqu'à la dernière minute, c'est la députée sortante, la néo-démocrate Anne Quash, qui a été élue. Elle a vaincu son plus proche poursuivant, Robert Sauvé, des libéraux, par un peu plus de 800 voix. Le député sortant du NPD, Jamie Nichols, qui avait été élu avec la vague orange il y a 4 ans dans Vaudreuil, quitte son poste à Ottawa, mais s'est dit serein et fier de ses accomplissements. Il a remercié son équipe et la population. L'équipe de Viva Media s'est déployée lundi soir et une partie de la nuit mardi pour livrer les résultats aux électeurs des deux circonscriptions. Pour connaître les états d'âme des élus et des candidats défaits, on peut consulter l'Étoile ou le vivamedia.ca. Pour plus de nouvelles, vivamedia.ca.